tikandolo tikindolo e benene noa mule mambo na pulinde na na wase sone bolo vanite tikandolo 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 tikindolo e benene noa. Oui, qu'est-ce que vous en faites là? C'est du gnam blanc. Ça se mange avec quoi? Dondolé, dans la caméra? Dondolé, le pistache. Mmh. Oui, oui. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok, du courage. Je vais dans la maison. Si tu vides, mais tu es en paix. J'apprécie de danser la vie. Il faut juste s'accrocher à Dieu. C'est du gnam blanc. La double de jumelle. L'année passée, je suis passée, était là pour l'autre, pour sa sœur jumelle. Cette année, je suis là pour elle. Ok. Maman, viens avec vous. Il ne faut pas te moquer. La difficulté, c'est pas une question de personne. Avant de commencer, n'oublie pas chacun. Je suis en train d'apprêter comme ça les mères pistaches. Ça se mange avec quoi? Ça se mange avec du gnam. Il y a beaucoup de compléments. Miando. Planté mûr avec le miando, avec les pâtés de manioc. Comment vont les préparatifs? Ça se passe très bien. Ok. Vous, c'est madame? Madame Kwaye Véronique. Ok. Courage. Merci. La mère, vous voulez acheter quelque chose? Vous êtes au menu là. Vous apprêtez quoi? Je suis en train d'apprêter les mains de pistache. Dans après la caméra. Ça, c'est le tarot. Le tarot. Le jaune. Ok. Le riz sauce tomate. Riz sauce tomate. Comment vont les préparatifs? Non, les préparatifs, c'est pas très bien. Ok. Alors, un message à l'endroit des élus de ce jour. Que le dirigez-vous? Le message. Courage, madame. Merci, monsieur. Okay. C'est Mireille, une amie de la famille. Ça, c'est pour les émincer. Pour les émincer, pour manger du riz, plantain mûr, des ignames. Et ça se passe très bien. Ok, merci, bon courage. Merci. Comme tous les jours, la famille, c'est une bonne leçon aussi, parce que voilà, je me suis lancée. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, papa, depuis ce matin, nous sommes au four moulin. Nous sommes dans les préparatifs ce matin. Oui. Alors, comment vont les préparatifs? Oh, ça va très bien. Très bien. Il n'y a rien à signaler? Non, rien à signaler. Ok. Du courage. Merci beaucoup. Okay. Du courage, madame. Que faites-vous là? Je n'ai pas envie de parler, c'est trop sur les nerfs. Wang Mani. Wang Mani, comme la viande d'une dolé. La viande d'une dolé. Ma princesse Josiane. C'est la viande d'une dolé.
qu'elle prépare. Oui, oui, c'est le ndolé qu'elle prépare. Elle coupe la viande de ndolé. C'est la femme balengou. Okay. La dite femme balengou. Ma fille chérie. Ma princesse de moi. C'est ma femme à moi. C'est la femme balengou. La princesse de ma verrou. La viande de chacun a son jour, chacun a son jour, papa, chacun a son jour. Prions les uns pour les autres, chacun a son jour. Prions les uns les autres, chacun a son jour. Aujourd'hui je me marie, demain sera mon tour. À la grâce de Dieu, demain j'enfanterai. Aujourd'hui je voyage, demain je vais voyager. S'il te plaît, j'ai eu mon travail, j'aurai mon CDI. J'ai construit ma maison, moi j'aurai mon duplex. J'ai acheté ma voiture, Lamborghini. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Dans la caméra. Bonjour. Oui, apparemment, vous êtes en train d'apprêter quoi? Comment? Nous apprêtons le préparatif de l'événement de ce soir. C'est quoi que tu apprêtes? C'est le poulet que je suis en train de faire frire. Ça se mange avec quoi? Il y a le plantain, il y a le poisson, il y a le ndolé, la sauce émincée, le taro. Hein? Oui, alors comment vont les préparatifs? Non, ça avance, ça avance. Ça avance. Alors, du courage. Merci. Bonne cuisine. Merci beaucoup. On les pense que c'est plus le pays qu'ils ont. Voilà, c'est ça. Il faut souvent leur dire que ce n'est plus le pays qu'ils ont les terres. Les choses sont triplées au marché. Regarde un peu. Enlève la cuillère sur ça. Je suis en train d'emballer le poulet et les fruits de plantain. Comment vont les préparatifs? Très bien, ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a un problème à signaler? Non, il n'y a pas de problème, tout s'annonce très bien. Ok, vous souhaitez la bonne cuisine. Merci beaucoup. Ma joie débordée, aujourd'hui là, ma joie débordée. Ma joie débordée. Famille de papa Jean Calvin et papa Jean Calvin. Attendez là-bas. Le
rappelle. Allô, famille, famille, Yala, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Merci. On te répond sans marquer encore beaucoup. Coucou là, Chouchou, Yala. Soyez la bienvenue, famille. Et vous êtes également la bienvenue dans cette famille. Merci. Et afin de vous quitter, et moi, je suis l'arrière-grand-mère de Vanel. Pas de plus, soyez la bienvenue. Merci, merci grand-mère. Bon, nous allons donner la parole à Papa Jean Calvin. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et je dis la bienvenue à mes familles qui doivent nous rejoindre à cette festivité. Nous sommes ici donc ce soir pour l'action de grâce que je peux accompagner, comme je peux te le dire comme ça. Il s'agit de Femene Tchawa Grâce. Elle n'est pas ici présente, mais elle est encore aux États-Unis et nous recevons maintenant la belle famille et nous la souhaitons la bienvenue et que le Dieu Tout-Puissant qui vous a amené jusqu'ici, qui vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous maintient jusqu'à la fin de cette festivité au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que je vais donner la parole à mon jeune pasteur, Foutso Victoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je ne vous ai pas entendu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. S'il vous plaît, nous allons nous élever pour prier. Amen. Amen. Donc. Père, nous te bénissons pour ce soir. Nous te rendons infiniment grâce de nous avoir rassemblés ici pour une occasion comme celle-ci. Yahweh, nous sommes reconnaissants parce que tu es assis sur le trône. C'est toi qui as bien voulu que ces deux jeunes se rencontrent. C'est toi qui as rendu cela possible. Et c'est toi qui nous as rassemblés ici ce soir. Yahweh, nous ne sommes là que pour concrétiser un certain nombre de choses. Et permets que cela se passe dans de bonnes conditions. Permets au roi de gloire que la rencontre entre ces deux familles, Seigneur, puisse être le début de beaucoup de bonnes choses, de beaucoup de grandes choses, de beaucoup de choses extraordinaires. Yahweh, nous te disons merci. Et pendant que cette cérémonie va débuter et continuer, nous prions que tu sois avec nous, que tu nous assistes, que tu nous donnes les idées, que tu nous donnes de nous rassembler au nom de Jésus-Christ Nazareth.
que tu ramènes même après chacun dans son domicile. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors nous vous souhaitons la bienvenue, très chers et honorables invités, vous qui quittez des villes diverses, des villes lointaines. Généralement, la Bible le dit, ceux qui viennent des villes lointaines sont porteurs de bonnes nouvelles. Donc ce soir, nous espérons écouter une bonne nouvelle avec laquelle vous êtes venus. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue encore, papa. Bon, nous allons passer la parole à la belle famille, surtout au beau-père et à la belle-mère. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vraiment, je suis très content de voir la famille réunie ce soir. Moi, c'est monsieur Komlan. Je suis là parce que le bonheur a sonné sur cette maison pour moi. Je suis donc venu chercher, comme chaque homme, celle qui va souvent nous préparer de quoi manger. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Donc nous ne sommes pas trompés. La porte que nous ouvrons aujourd'hui, nous sommes sûrs de là où nous partons. Et nous sommes très fiers. Parce que vraiment, quand je regarde toute la famille réunie, tout autour, ça veut dire qu'il y a l'amour quelque part. Et nous sommes fiers d'être là. Je vous remercie. Oui, présentement le beau-père a fini. Nous passons la parole à la belle-mère. Soyez la bienvenue, maman. Merci. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que le Seigneur a permis que nous soyons là. Et c'est parce que nous avons trouvé une charmante petite fille dans cette maison au nom de Chapwa Vanel. C'est pour elle que nous sommes ici ce soir. Nous avons vu que c'est une charmante demoiselle qui sait bien faire du couscous, du taro, tout ce que un beau-père, une belle-mère, une belle famille peut aimer. Elle sait le faire. C'est pour ça que nous sommes entrés dans cette maison. Et nous savons que nous ne pouvons pas être déçus. Parce que déjà, la manière dont on nous a accueillis à l'arrivée, ça veut dire que la suite nous réserve encore beaucoup de merveilles. Merci beaucoup. Merci la belle-mère. Merci la belle-mère. Nous allons passer la parole à certains membres de la belle famille. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Bon, présentement, nous allons passer à l'étape suivante. Et comme nous connaissons la cérémonie traditionnelle, donc nous pouvons aller à la cérémonie traditionnelle, s'il vous plaît. Oui, nous allons passer la parole à l'arrière-grand-mère de Fomini Chawa Vanel. Une fois de plus, soyez la bienvenue. Franchement, si je me mets encore debout pour la deuxième fois, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions parce que quand tu élèves un enfant, tu lui montres de quoi tu es capable. Et que certaines qui sortent d'ailleurs pour apprécier ça, franchement, je suis très émue. Une fois de plus, soyez la bienvenue. Et je voudrais encore demander au beau-père, surtout, s'il a déjà goûté la sauce du tarot.
que Vanelle a préparé. Maman, vraiment, je vous utilise à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois. Je l'ai fait déjà plusieurs années déjà et j'ai goûté malgré qu'elle était encore si petite. Oh là là! Je vous en prie, applaudissez pour Vanelle. Merci aussi une fois de plus. Et je vous assure, vous seriez trop surpris. Moi, je suis très contente et je suis sûre que le deuxième repas que vous allez manger de Vanelle, ça sera la meilleure. Et la seconde surprise, sachez que vraiment vous êtes entrés dans la maison de Dieu. Notre famille, c'est une famille de Dieu. C'est une famille de paix. C'est une famille même de bonheur, de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors vous êtes la bienvenue. Soyez une fois de plus la bienvenue dans cette famille. Et que tout ce que le Seigneur a préservé pour vous, avant de traverser cette barrière, vous allez commencer à ramasser. Soyez la bienvenue. Merci maman. Merci maman. Merci. Que le Seigneur vous accompagne. Nous allons toujours rester ici. Tout ce que vous allez ramasser de bon. Je sais que nous sommes déjà un parce que on dit à toi que si ce n'est pas ton étranger, tu ne peux pas rester chez toi et ton temps la nuit. Donc vous êtes désormais notre famille. Que vous allez recevoir de bons, nous allons nous partager ensemble. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur qui vous a ramené dans cette famille, qu'il vous raccompagne de la même manière, chacun à son domicile. Soyons bénis. Amen. Soyons bénis, Amen. Et les, même ceux qui sont dehors sont bénis à compter de ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, grand-mère. Amen, maman. Grand-mère. Bon, nous allons passer la parole à la grand-mère de Vanelle. Maman, madame Wendy, nous allons passer la parole. Maman, prends. Mes chers parents, mes chers amis, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, j'ai la joie qui déborde dans mon cœur. Parce que je ne savais pas que je pouvais voir ma petite fille dans cette condition. Et quand je me vois debout dans cette maison, je dis merci à l'Éternel. Merci à tous ceux qui m'entourent. Merci pour tous ceux qui sont venus pour le mariage de Vanelle. Parce que pour moi, c'était un miracle. Vraiment, Dieu m'a tout donné. Je suis une femme, j'ai connu les difficultés de la vie. J'ai connu beaucoup de tribulations. Mais aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Amen. Amen. Mes chers parents, mes chers amis, mes chers invités, bonsoir une fois de plus. Merci. Merci la grand-mère de Vanelle. Bon, nous allons passer au show. Nous allons passer aux choses sérieuses. Bon, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons commencer dès maintenant parce que certains jeunes vivent loin et passer à la troisième étape. Donc, nous allons passer entre les deux familles, que personne n'ignore les étapes. Nous allons le faire maintenant et passer à la troisième étape qui est l'apéritif. Allô, allô. Mes chers beaux, vraiment vous savez que quand on vient chercher quelque chose de précieux, on ne marche pas main vide. Nous savions que quand nous entrons dans une famille, il faut vraiment se faire remarquer au moins. C'est vrai que
on se battit, on se débrouille comme on peut à notre niveau. Vraiment, mes chers parents, vous devez nous recevoir tel que vous voyez là. C'est vrai que c'est le commencement, le reste viendra plus tard. Ça, c'est le commencement. Vous savez qu'en matière de femmes, on ne cesse jamais d'épouser la femme. C'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Vraiment. Donc, je voudrais tout simplement vous dire que nous allons passer aux choses sérieuses parce que nous avons des gens qui vont rentrer et qui vont repartir un peu plus loin. On a vraiment très peu de temps à passer ensemble. Directement, je pense que je peux commencer déjà pour vous présenter la chèvre. Passer la corde à papa. Vous devez filmer. Voilà. Vous avez également aussi un team deal, s'il vous plaît. Et là, voici. Voilà ce team deal là. Vous avez également une marmite de plantain. Et puis, vous avez la poitrine. La couverture pour la gamme. Le reste, je pense que nous allons le dire sur la mesure et on le mettra sur la mesure à des personnes qui ont. Oui, je vais passer la parole à papa Jacquin. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes une famille bénie. Une personne qui est entrée ici avec la malédiction, il sortira béni au nom puissant. Comme vous voyez mon jeune fils, Fosso Victoire, il est le septième pasteur dans notre famille. Donc nous sommes pasteurs. Donc nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et que, comme vous êtes venus, bien de loin bien sûr, Dieu va savoir vous ramener. Et je vous dis que je suis particulièrement heureux parce que dans ma famille, nous n'avons pas de diversion de vie. Et comme vous la connaissez, Fomini Vanel, vous êtes rencontré aux États-Unis, on n'était pas là-bas. Mais ça fait heureux que nous vous découvrions ce soir. Et nous disons que Dieu vous accompagne au retour au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes une famille de 7 pasteurs, comme je vous dis. Le pasteur Victoire est le plus jeune de tous les pasteurs. Et je vous dis que nous ne pouvons pas vous en dire autrement parce que si nous commençons par Dieu, nous allons terminer aussi par Dieu. Et comme Dieu nous a donné la force et la santé d'être ici, nous allons donc. Je vais remettre encore la parole à mon fils, le pasteur Fosso Victoire, qui doit vous annoncer quelques bonnes paroles de vie en quelques minutes. De m'avoir passé la parole ce soir. Je tiens à
à vous dire merci d'être venu. Merci pour cet honneur, merci pour ce privilège. Et s'il y a quelque chose que je puisse dire ce soir, avec l'attention de tout le monde, c'est que la famille est sacrée. La famille est sacrée. Et si deux personnes prennent l'engagement de vouloir se mettre ensemble, c'est parce qu'ils ont bien réfléchi à mon terme, des tenants et des aboutissants. Généralement, à l'église, lorsqu'on unit les mariages, on dit souvent que c'est pour le meilleur et le pire, jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Mais il n'exclut pas que des problèmes peuvent y arriver, des problèmes peuvent y affluer à un moment donné. Mais je dis, la famille est sacrée. Et puis, nous devons juste savoir comment gérer ces problèmes et ne jamais laisser Dieu de côté dans toutes nos difficultés, dans tous nos problèmes, surtout les problèmes de couple. Parce que le couple, donc, depuis la Bible, a été la première chose que Satan a voulu détruire. La première chose que Satan a voulu détruire, c'était un couple. Donc, lorsque nous parlons de couple, la première chose que nous devons mettre à l'intérieur, c'est Dieu. Parce que si Dieu n'est pas au milieu de ces deux personnes, à un moment donné, on peut vous dire qu'ils se sont aimés un jour, et puis des personnes refusent. Parce qu'on l'a vu même d'ailleurs. Donc, je vous remercie d'être venu. Je sais que la grâce de Dieu est avec vous. Et je sais que rien n'arrive au hasard dans la vie. Tout ce qui arrive a été prédestiné par Dieu. Et je sais que si Dieu a prédestiné ces choses, c'est parce qu'il savait pourquoi est-ce qu'il l'a prédestiné. La Bible dit que lorsque tu rencontres une femme vertueuse, c'est une couronne pour son mari. Donc, mais une femme querelleuse, c'est une carie dentaire, une carie dans la dent de son mari. Donc, comme pour dire que vous l'avez vu, vous avez certainement goûté la nourriture, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc vraiment, moi j'ai grandi avec elle. Mais quand vous avez dit que vous avez mangé ça depuis, moi je me suis posé les questions. Donc, c'est même aux États-Unis que vous l'avez rencontré, c'est ici. Avant que moi n'ai jamais su comment. Alors qu'il va cacher ces choses. Si c'était ici, c'est qu'elle m'aurait dit. Mais comme vous avez dit que c'est ici, moi je crois seulement. En esprit, elle me donnait à manger. Ah, en esprit. Ok, je comprends maintenant. Ça passe mieux. Donc, je peux vous rassurer que c'est une très, très, très bonne femme. Déjà. Et dans cette famille, il n'y a que des bonnes femmes. Elles n'ont pas applaudi. Quand tu rencontres une femme de cette famille, c'est que tu as rencontré le bonheur. Amen. Il ne faut pas quitter. Et nous également, nous croyons que nous avons également rencontré le bonheur. Et nous faisons confiance à Dieu pour le reste de toutes les choses. Le reste des festivités. Tout ce que nous pouvons souhaiter ce soir, c'est que Dieu leur accorde longue vie. C'est que Dieu leur accorde la santé. C'est que Dieu leur accorde plus de richesses. D'ailleurs, je suis un grand intercesseur. Je vais passer du temps pour prier. Pour que Dieu les accorde plus de prospérité dans tout ce qu'ils vont faire. Dans leur projet, dans leur famille, dans votre famille même, l'impact que cela va créer et que cela ouvre également beaucoup de portes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. DJ, s'il vous plaît, musique forme son nom. Maman Elise, elle est où? Maman Elise. Menga. Maman Florence, elle est où? Maman Hélène. Maman Hélène est où? Maman Hélène. Nana. Dada est où? Nana. Dada est où?
Maman Rosaline, s'il vous plaît, Maman Rosaline. Je laisse tout à Dieu. Devant ta volonté, je dis pas ça. Je laisse tout à Dieu. Si papa m'a consumé la sienne, je laisse tout à Dieu. Adieu. Maman Martine, elle est où? Maman Martine, fou. Pasteur aussi, nous allons passer la parole à Papa Jean Calvin d'abord, installer l'apéritif. Nous allons passer à l'apéritif. J'exhorte les hôtesses de passer. Installez l'apéritif, s'il vous plaît. Les hôtesses. Le pasteur Victoire pour la prière de l'apéritif. Nous arrivons presque vers la fin de cette cérémonie. Nous vous disons encore merci d'être venu. Et déjà à l'avance, c'est pas moi qui présente le buffet. Je suis juste là pour prier, donc ma prière ne sera pas longue. Amen. Donc nous allons nous lever pour prier. S'il vous plaît, souffrez que je vous mette debout encore une fois de plus. Père, nous te disons merci pour ce repas. Nous te disons merci, bénis, sanctifie, permets que nous mangeons et que nous soyons rassasiés. Que personne ne rentre d'ici sans avoir bien mangé au nom de Jésus. Que la nourriture ne finisse pas sans que nous soyons rassasiés au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un mange et qu'il n'est pas content, qu'il mange encore pour être content au nom de Jésus. Amen. Et que tout se passe dans de bonnes conditions. Amen. Amen. Merci, c'est la parole à Papa Jean Calvin. Arrête un peu, je vais passer la parole à Papa Jean Calvin. Maintenant, vous souhaitez. Bon appétit. Merci. À toute l'assistance. Je suis, comme vous me voyez, le grand-père de Grâce Vanel Tchao. Elle n'est pas ici présente, mais je sais que nous sommes ensemble. Et pour ne pas aller loin, comme le pasteur Victor Vernier l'a dit, je souhaite donc la bienvenue et bon appétit à tout le monde au nom du sang de Jésus. Recevez donc maintenant la grâce, la paix et la victoire de Jésus sur cette famille au nom de Jésus. Amen. Si on vous commence, nous appelons les beaux parents de Tchawa Fémoni Vanel sur le buffet, s'il vous plaît. Chérie Coco, ma
maman. Voilà. On est tous à briser ce soir. Maman, ni bon appétit. Jennifer. Comment va la fête? La va très bien. Okay. Ça se passe très bien. Alors, un message à l'endroit des élus de ce jour, que les direz-vous? Je ne vois pas. Quel message direz-vous aux mariés de ce jour? Ouais, mon père chéri, je dis seulement que le Seigneur les bénisse parce que nous sommes heureux, toute la famille. Donc, il nous a mis en haut et on dit merci pour le couple. Le couple de ce jour. Je dis merci à Vanelle, malgré comme je ne connais même pas le nom de son mari, il faut qu'elle embrasse bien son mari ce soir. Nos invités, dans cet après-midi, malgré même la pluie de la lumière, on est toujours en haut, on est chaud et la fête continue jusqu'à l'eau. Alors un mot de fin, que direz-vous? Ouais mon père, je vais encore dire que quoi? La fête, je dis aussi encore à monsieur Tchakwa et madame Tchawa. Et que merci parce que c'est les entrailles et c'est les premiers enfants qui se marient comme ça là. Je leur dis bonne année 2022, que ça leur rapporte du bonheur. Qu'ils m'attendent parce que je veux qu'ils fassent vite pour que je vienne là-bas préparer le cuit aux États-Unis. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Jolie ouais, mais j'panique, j'panique. Ouais, j'panique, j'panique. Ça me fait mal à la tête. C'est vrai que t'es gentille. Bonsoir, c'est madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, c'est madame. Bonsoir, c'est madame. C'est madame Igris. Madame Igris. Oui. Oui, nous sommes déjà presque à la fin de cet événement heureux, à savoir le mariage de votre fille. Alors, comment va la fête en ce moment? Vos impressions? La fête se passe très bien. Tout, faut se, te voir. Bien. Tout se passe bien, la fête se passe très bien. Vous savez, c'est au mariage de ma fille. Oui. Je suis très contente de faire cette manifestation. Parce que quand elles étaient toutes petites, nous n'avions pas su que Dieu devait faire vraiment des grandes choses. Donc, nous sommes reconnaissants, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de ses enfants. Alors, quel message les adressez-vous aux mariés? Qu'est-ce que vous les dites aux mariés? Beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. Tout va aller. Alors, un mot de fin. Que direz-vous un mot de fin? Je les aime tous. Et que le couple reste en paix. Le Seigneur est au centre de leur union. Comme tout, comme tout a commencé bien et tout a terminé bien, nous sommes dans la joie. Nous disons merci à l'Éternel pour ce que Dieu a fait. Alors, nous vous disons bonne fête et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok.
Oui, Josiane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, nous sommes déjà presque à la fin de cet événement heureux, à savoir le mariage de votre fille. Alors, comment vont vos impressions par rapport à cet événement? Je suis très contente, les mots me manquent. Tout s'est passé très bien depuis le matin jusqu'à maintenant. Malgré le petit vent qui s'est passé, le Seigneur était au contrôle. Tout s'est bien passé. Je dis, mais je rends grâce à Dieu. Je dis merci encore une fois de grâce à Dieu. Vanet, tout s'est bien passé. Et vraiment, les mots me manquent. Alors, quel message adressez-vous aux mariés, aux élus de ce jour? Qu'est-ce que vous êtes aux mariés? Ce que je vais dire aux mariés ce soir, c'est que Dieu les comble parce qu'ils ont déjà atteint le but. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, ça a été. Ce qu'on a attendu longtemps, et ce que je prie, c'est que Dieu... J'attends les jumeaux. Okay. J'attends les jumeaux. Que tous ceux qui vont toucher, que Dieu bénisse en sanctu au nom de Jésus. Ok, vous souhaitons bonne fête et bonne soirée. Merci. Okay. Vraiment, très bonne fête à eux aussi étant là-bas. Parce que nous sommes un. La Bible dit que de près comme de loin, nous sommes un. Ok. Merci. Merci. Sois le père. Merci, merci, merci. Apparemment, c'est vous le beau-père de la mariée. Effectivement, bien sûr. Voilà. Nous voulons comme ça recueillir vos impressions par rapport à cet événement de ce soir que vous avez valablement représenté. Alors, quelles sont vos impressions? Mes impressions, c'est que je suis un homme très comblé de joie. Oui. Et c'est une grande fête. Lorsque on a une jeune petite fille comme celle-là que moi j'ai, il y a de quoi être heureux. Alors, un message à leur endroit, que direz-vous aux mariés? Que bon, direz-vous? Je les souhaite bonne vie, je les souhaite une vie amoureuse, oui. Vraiment que Dieu les bénisse. C'est tout ce que je peux leur dire. Vraiment, il n'y a rien de plus heureux que ça. Ok, un mot de fin, que direz-vous? Bon, je dirais que je souhaiterais qu'il me donne beaucoup d'enfants. Ah, alors la mère, on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Oui, oui, alors votre mot par rapport à vos enfants qui s'unissent ce soir. On était à votre domicile et tout s'est bien passé. Alors, que direz-vous pour ces enfants? Moi, je dirais au Seigneur que le Seigneur les comble de grâce, qu'elle ne manque de rien, oui. Que leur richesse dépasse le ciel. Alléluia. Et que dans la vie future, elle soit une étoile pour moi. Amen. Amen. Et le lait. Alors, maman, un mot de fin. Ça s'est bien passé? Vraiment, ça s'est très bien passé. Vraiment, même les oiseaux dans la mer ont mangé. Il y a de la nourriture abondante. Ok, bonne soirée. Maman. Bonne soirée à vous. Merci. Ma part n'est pas finie.